Salut, c'est Martouf! Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre à compter jusqu'à 1023 uniquement sur tes 10 doigts. Allez, je te fais un petit exemple. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 sur une seule main. Et on passe, on remet-toi à zéro. 32, parce que j'ai deux mains. Et oui, comme on va pas y rester jusqu'à demain, hein, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, voilà, blablabla. Tu me fais confiance, on arrive à compter jusqu'à 1023. De 0 pour 1023, ce qui nous fait 1024 possibilités. Et oui, c'est les bases. Alors aujourd'hui, on va reprendre les bases de la numération. Là, je comptais en base 2. Base 2, qu'on pourrait dire comme ça, ou base 2, 1, 2. Et voilà, on voit qu'il y a plein de possibilités, et ça vaudra la peine de reprendre, parce que je crois que ça se fait plus à l'école. Moi, j'ai la chance d'être électronicien, et du coup, je sais jongler avec plein de numérotations différentes, notamment le binaire. Là, je viens de te faire un exemple, comment on compte en binaire avec les doigts. C'est digital, hein? On aime bien le monde du digital. Digital, ça vient des digits, les doigts. On dit en français, on dit numérique, électronique, digital, électronique, numérique. C'est à peu près pareil. Alors, on va reprendre les bases des bases. Ça, c'était la base 2. Nous, on a l'habitude de compter en base 10. Il y a d'autres bases. Les électroniciens, les informaticiens comptent aussi en base 16. Parce que c'est assez proche de la base 2. C'est une manière assez simple de noter avec des chiffres et des lettres. Tout ça. Mais on va reprendre aussi l'idée des bâtons de comptage pour compter. Hein, ta calculatrice, d'où viennent ces chiffres? On va remonter jusque chez les Sumériens avec leur tablette d'argile et aussi une manière de compter. Notation additionnelle, notation positionnelle. Un petit tour par les Arabes, un petit tour par l'Inde. Et voilà, c'est parti les amis. Alors, comment on compte? D'où viennent l'origine des nombres? À quoi ça sert? Hein, comment il y a des gens qui se sont mis à compter? En fait, les nombres, ils existent déjà partout dans le monde. Déjà, dans les plantes derrière moi, elles ont déjà des formes, la suite de Fibonacci qui va les ordonner, plein de choses comme ça. Comment est-ce que les humains sont mis à compter? Alors, on peut essayer de se dire qu'à un moment donné, ça peut être pratique quand tu as un troupeau de moutons, tu les laisses dans leur pâturage et tu as envie de savoir combien il y en a qui sont revenus. Là, tu utilises ce que tu as sur place. Alors, j'ai rien préparé, mais il se trouve que ben là, j'ai des cailloux sur place directement. Comme quoi, ça montre que ça fonctionne partout. J'ai des petits cailloux. Alors, je me fais un bol, un récipient, quelque chose, et puis chaque fois que j'ai un mouton qui passe devant les barrières, hein, je compte les moutons, j'essaie de ne pas dormir. Et bien, je mets un petit caillou dans un bol. J'ai un mouton, deux moutons, trois moutons, quatre moutons, cinq moutons, blablabla. Puis quand je les rentre, ben, j'essaie d'avoir le même nombre de cailloux qu'il y a de moutons quand ils passent. Et s'il y a une différence, ben, c'est qu'il y en a un qui s'est fait bouffer, il y en a un qui s'est perdu, il y en a un qui a disparu. Oh loup, oh loup! Voilà, c'est probablement l'origine des calculs. Parce qu'en effet, oui, le petit caillou, en latin, ça se dit calculus, calcul, calculus, calculi, les calculs rénaux. Et oui, les petits cailloux, c'est des calculs. Donc, ça nous explique l'origine des nombres, c'est l'origine du calcul. Donc, quand on a besoin de faire des stocks, quand on a besoin de calculer, on va commencer à utiliser des supports. Oui, parce que nous, on a une mémoire qui n'est pas excellente. On a une mémoire un peu de poisson rouge. On a plusieurs sortes de mémoires, en fait, si on étudie bien notre fonctionnement. On a les mémoires à long terme, je me souviens très bien de mes souvenirs d'enfance. Et on a des mémoires où, par exemple, si j'ai 25 personnes dans un nouveau groupe, chacun dit bonjour, Jean Valjean, Paul, Albert, Victor, Jules, Charlotte, Elias. Et ben, au bout de 3, 4, 5, vu qu'il y a 25 personnes, on a fait le tour et je me souviens absolument plus de rien. Donc, ça, c'est une mémoire à court terme. Et c'est pour ça qu'on a inventé des manières de se souvenir, dont notamment mes petits cailloux. Je fais des paquets. Je fais des paquets. Alors, je sais que je compte ben, peut-être des paquets. Je fais des paquets de 5, hein, on va dire, comme ma main. Hop, ah ben, je pourrais prendre un exemple. Ça, je peux compter sur ma main. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis à chaque fois que je fais un paquet de 5, ben, je mets un. Alors, ça nous fait une base 5.
Alors, il se trouve que dans l'histoire, il y a plusieurs sortes de bases. Je vais montrer la base 2, on y reviendra un peu plus tard, parce que c'est assez propre aux ordinateurs quand même. On trouve des peuples qui ont utilisé ça, mais c'est assez rare quand même. La plupart ont utilisé la base 10, parce qu'on a 10 doigts. Des fois la base 20, parce que on a des orteils. Mais le 5, des fois c'est hybride, parce que des fois il y a le 5 qui est à l'intermédiaire. On fait des petits paquets, c'est ça qu'on appelle faire une base. Donc la base 2, c'est quand on va partir de 2, on fait des paquets de 2. En informatique, on fait des paquets de 8 aussi, les octets. Les octets, c'est les paquets de 8, de 8 bits. Et puis on a la base 16, justement, qui représente bien des paquets de 8 bits sous forme d'un caractère. Ensuite, on a d'autres gens qui se sont dit que la base 12, ça pourrait être sympa. Hein, pourquoi est-ce qu'on a des heures, on fait 12 heures. 2 fois 12 heures pour faire un jour. Eh bien, c'est parce qu'il y a des gens qui comptent autrement. Ils comptent les nombres de phalanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, il y a une manière de compter qui est assez simple avec le pouce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, j'ai ma base 12. C'est génial, hein? Les Sumériens, ils aimaient bien ça. Et la base 12, ben c'est pratique. Quand on a deux mains, il y a 5 doigts. Je compte le nombre de fois que je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je refais une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Boum, 24. 36. 48. 60. Oh! Et ben pourquoi on a 60 minutes? 60 secondes, 12 heures. Je crois que là, tu commences à comprendre d'où ça vient, ces numéros. Parce que des fois, pourquoi on n'a pas la base 10? Hein? Parce que voilà, on compte le mètre, 10 décimètres, 10 centimètres, 10 millimètres. On compte toujours avec un facteur 10. On verra dans une autre vidéo, je vais sortir la pige, la canne des bâtisseurs de cathédrales. On verra que c'est autre chose. Que là, ils avaient entre la palme, la paume, l'empan, la coudée, le pied. Tout ça, on verra une autre vidéo dans laquelle je vais montrer que en fait il y a un facteur de proportion dorée, le nombre d'or qui revient là. Donc ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur la géométrie sacrée vont déjà avoir quelques informations. Les autres, je vous invite à aller la voir. Et puis ici, on va se consacrer un peu à l'origine de la numération. Donc il y a des gens que j'ai dans les mémoires de poissons rouges, donc on fait des paquets par base. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui n'ont pas de notion du temps. Ça, c'est dans une vision du monde plus ancienne. Donc on verra aussi, si tu vas voir ma vidéo sur la spirale dynamique, qui explique qu'en fait, il y a des gens, on a retrouvé les Piraas, qui sont en Amazonie, qui eux n'ont pas la conscience du temps, vraiment. Ils vivent sous l'équateur, ils ont tous les jours à manger, tous les jours la même saison. Et du coup, il n'y a personne qui est venu leur imposer de payer un impôt. Donc ils n'ont pas besoin de faire des stocks, de faire de la comptabilité, et puis de se dire « Eh ben, je dois donner tant de pourcents de ma... » Ils ne comptent pas. Et ça se voit dans leur vocabulaire, parce que les Piraas, eux, ils ne connaissent pas les nombres. Ils ont un nombre 1 et un nombre beaucoup, plusieurs, plus que 1. Ils ne savent même pas faire 2. Un couple, 2, non. Et ça, c'est étonnant, mais ça existe. Et ça prouve bien qu'en fait, ben, c'est une notion qui se développe et qui n'est pas forcément inné. Alors, on a parlé de cette numération. La numération, au début, c'est j'ai des paquets, je fais des petits cailloux, et j'ai peut-être un caillou avec un symbole qui fait 5. Alors, j'ai peut-être un paquet de 2, un paquet de 5, un paquet, puis je les additionne. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, j'ai un paquet de 1000, j'ai un paquet de 100, j'ai un paquet de 50. Ça, ça ressemble un peu à la numérotation qu'on avait ici, avec les bâtons de comptage. Donc si tu ne sais pas ce que c'est qu'un bâton de comptage, c'est pour faire un contrat, ça a été un moyen de comptabilité officiel en France jusqu'en 2016. La personne ne savait apparemment, personne n'a oublié, c'est fondamental dans l'origine de la monnaie, donc tu peux déjà aller voir ma vidéo sur le bâton de comptage aussi pour compléter. Donc tout ça, ici on a un contrat entre deux parties, la boulangère, elle a la souche, et la personne qui veut venir acheter du pain, elle a un échantillon. On paye en faisant des coches. Et ces coches, en fait, là, elles représentent 1. Après, on peut faire des coches en V, ça représente 5. Et on peut même faire des coches avec une croix, qui représente 10. Et comme par hasard, on retombe sur les chiffres romains.
Ah bah c'est génial! Ça voudrait donc peut-être dire, j'ai vu ça nulle part, mais moi je trouve que l'hypothèse est tout à fait plausible que les chiffres romains viennent d'une simplification d'encoche qu'on pourra retrouver sur les bâtons de comptage. Et ça, en fait, on additionne. On dit que c'est une notation additionnelle, parce qu'on fait une addition. On additionne des encoches, 1 plus une croix qui veut dire 10, plus un V qui veut dire 5, puis après on fait des nombres à rallonge. Alors pour les calculs, c'est franchement pas facile. Les Romains utilisaient ce qu'on appelle des abacs. Ils utilisaient des moyens différents qui ressemblent un peu au boulier des Chinois, au duché de Normandie. Ils utilisaient par exemple l'échiquier. Un vrai échiquier noir et blanc, pouf, avec des cases. Et à partir de ça permet aussi de déplacer des jetons et puis de faire de la comptabilité comme ça. Donc, faut garder l'esprit ouvert. Il y a plein de manières de faire pour faire de la comptabilité. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'écrit, des fois, écrit comme nous on fait, que ça n'a pas existé. Parce qu'on retrouve des traces différentes. Donc, par exemple, ben, c'était pas un jeu, jouer aux échecs, comme ça, c'est pas forcément ça, mais c'était la comptabilité. Alors, dans le duché de Normandie, c'était utilisé. Et puis tout d'un coup, ça s'est retrouvé en Angleterre avec Guillaume le Conquérant qui a conquis l'Angleterre, qui est devenu roi d'Angleterre et qui a mis son échiquier en place. Et on appelle toujours l'échiquier les finances, les gens qui gèrent les finances. Mais on a encore, alors dans cette numérotation additionnelle, elle est franchement pas pratique. Alors là, il y a les gens qui jouent comme ça, ils sont super forts, mais en fait, il y a à l'autre bout du monde des gens qui ont inventé une méthode nettement plus simple pour faire des calculs. On va parler de la notation positionnelle. Au lieu d'utiliser des symboles différents, un X, une croix, un machin, un V, pour pouvoir symboliser les choses, on pourra en faire plein. Puis après, on doit les additionner sur une longue ligne, on doit faire des calculs pour juste lire le nombre, ce qui n'est pas très pratique. Donc, il y a des gens en Inde qui ont développé un système avec juste 10 chiffres, du 0 à 9. Et ils ont été importés par les Arabes, notamment Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, qui était un type avec le calife Al-Mamoun, qui a créé l'observatoire de Bagdad. Bon, il y avait déjà le Sumérien bien avant, mais il était chercher des choses dans la grande pyramide de Gizeh. Apparemment, il voulait trouver des cartes du monde. Il s'intéressait beaucoup à la mesure de la Terre, les mesures de longueur, l'astronomie et les nombres. Il a besoin de beaucoup de nombres. Donc, c'est Al-Khwarizmi qui a bossé là-dedans. C'est aussi le gars dont son nom s'est transformé en algorithme. Et c'est que là, on utilise parce que c'est une méthodologie d'opération simple qu'on met à la suite pour faire un algorithme. Alors, apparemment, en informatique, on utilise beaucoup ça. C'est un mot qui est très à la mode maintenant. Les algorithmes des GAFAM sont là pour diriger le monde. Facebook, YouTube ont des algorithmes qui nous mettent en avant ou nous font descendre. Algorithme, c'est juste ce Al-Khwarizmi qui était un gars qui a importé les nombres indiens, du moins certains, parce qu'il y en a plusieurs en fait. Et ensuite, ça s'est transmis dans le monde arabe. C'est une méthode de calcul super efficace. Il y a même un joli dessin pour montrer l'échiquier par rapport au calcul avec les nombres arabes, comme ils les appelaient à l'époque, parce qu'ils ne savaient pas que ça venait d'Inde déjà à la base. Et voilà, donc c'est toute une histoire. C'est probablement le pape Sylvestre II qui nous a importé les nombres de ce style, les nombres arabes, parce que lui il était à Cordoue étudié, et il les a importés. Comme il était pape, il avait un peu d'autorité, il a imposé et s'est dit utilisez plutôt ces nombres-là que les chiffres romains. Et lui c'était le pape de l'an 1000. Donc voilà, il commence. Mais ça a mis un bon moment à s'organiser et la notation n'était pas forcément bien mise. On retrouve aussi Simon Stevin qui était un néerlandais en 1585, il a fait une notation aussi positionnelle avec les puissances comme on l'utilise maintenant, sauf que lui il mettait des cercles autour des puissances. C'est une notation un peu bizarre, pas très pratique, du coup on l'a jamais vraiment utilisée. Mais on voit qu'il y avait des différences, que ça a mis un moment à venir à ce qu'on utilise et ce qui nous paraît hyper naturel maintenant. Alors comment ça fonctionne en fait? Là on additionnait des trucs, et là la notation positionnelle, on va dire qu'on utilise les mêmes chiffres, ceux de la calculatrice là, du 0 au 9, donc c'est l'invention du 0, l'arrivée du 0. Donc là, on a une notation où c'est les puissances. Donc chaque position différente représente une puissance de la base. Donc ça veut dire que là, j'ai 0, puissance 0. Ça fait 0, ça fait 1. Donc ça va valoir 1. Parce que n'importe quoi, la puissance 0, ça vaut 1. Donc c'est le nombre de fois ce 1. Donc 0...
puissance 0 puissance 1, c'est la 2 puissance 1. Donc comme ça vaut 2, ben, ça vaudra 0 ou 2. Ici, on a 0, 2, 4. Le 4, ici, ben, c'est 2 à la puissance 2. 2 fois 2, 4. 2 au carré. Et ainsi de suite. On continue. Donc avec ce système, c'est un système de puissance, c'est pour ça que Simon Stevin, il mettait les puissances, il les indiquait dans des cercles, on indiquait la puissance, mais là on l'indique même plus. C'est la position dans l'ordre qu'il va montrer. Alors il se trouve que les Arabes lisent de droite à gauche, comme les Hébreux. Donc on a les nombres qui ne sont pas comme on le fait en français, pas comme on le fait en anglais, en allemand, tout ça. Il y a des inversions. Donc c'est pour ça qu'on lit dans l'autre sens que ce qu'on lit dans cette histoire. Alors là, la notation positionnelle, ben, elle est assez rapide, parce que pour faire des additions, ben, on les met là en dessous de l'autre, puis on additionne, et après on décale de position. C'est super rapide pour faire les calculs, et c'est pour ça que ça s'est imposé. Donc ce sont des nombres indo-arabes, parce qu'en fait ils viennent d'Inde, ils sont passés par le monde arabe, et ils sont passés ensuite par le pape dans le monde chrétien. On va y arriver. Alors, la plupart des gens comptent en base 10. Parce que la plupart des peuples, apparemment, ont choisi cette base. Donc notamment dans mes recherches de savoir quelle était l'origine du mètre, et ben, on trouve que les gens ont choisi la base 10, parce qu'ils trouvaient que c'était plus simple que la base duodécimale, hein, la base 12 avec les phalanges, qui était utilisée jusque-là, en partie avec des mélanges, parce que finalement, une paume, ça fait 3 pouces, puis ensuite on a le pied qui divise par 12, ça fait au-dessus des pouces selon certains, mais on ne sait plus trop comment, un peu compliqué, on verra ça dans la prochaine vidéo. Et ici alors, quand on a justifié le mètre en base 10, pourquoi base 10 ? Ben, ils disent que c'est plutôt par l'instinct que par la raison. Le siècle, les lumières, les gens qui veulent mettre la raison et tout, ils nous disent que c'est plutôt par l'instinct que par la raison. On n'est pas une contradiction près. Donc avec cette histoire, eh ben, ils se sont mis à utiliser les notations en base 10. Et le mètre devient mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Et voilà, on arrive à justifier ainsi la base 10. Donc voilà un petit résumé. D'abord on compte avec des petits cailloux. Ensuite, on a une mémoire de poisson rouge, on fait des paquets. Ce sont des bases. On a des bases 5, des bases 2, comme je fais mon calcul en binaire pour compter. Ou alors la base 12, parce qu'on peut compter avec une main comme ça directement le nombre de phalanges. Ou alors en base 10, parce qu'on préfère compter avec juste 4, 5, 6, ou alors on a des pieds, on compte aussi comme ça. Nos amis sumériens, eux, ils ont fait des symboles particuliers. Il y a des symboles qui valent, ça valait 14 ici. On voit que c'est 14 jars ou 14 grains de blé. Et ça, c'est une notation additionnelle parce qu'on doit compter un peu ce truc-là. On avait aussi les Romains qui ont des encoches. Tac, tac, tac. V, L. Ça, c'est les chiffres romains. On additionne aussi. Et après, on a la notation positionnelle, où ça dépend du rang. Mais on utilise les mêmes chiffres, ceux de ma calculatrice. Et avec ça, on arrive à compter. Et ouais, on a fait tout un tour. C'est pas si simple. Alors voilà, je vais te laisser ici méditer à tout ça. Garde l'esprit ouvert. Il y a toujours plein de manières de faire les choses. Et la prochaine fois, on verra la canne des bâtisseurs. Avec encore une autre manière de subdiviser les unités de mesure. Alors à bientôt, garde l'esprit ouvert, ciao ciao.